Avril, j'ai du mal avec ce mois d'avril, je sais pas, j'ai envie d'être déjà au mois de mai ou encore au mois de mars. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on est au mois d'avril, voilà. Alors, il est déjà tard, il est 11h06, on attend le réparateur, il devrait arriver entre midi et 2h, alors on croise les doigts pour qu'il me dise, oh bah c'est rien, c'était juste ça. Vraiment, j'y crois pas trop. À mon avis, il va me dire que la pompe est en panne ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment un problème de vidange. Donc si c'est ça, il va falloir qu'il commande la pièce et au mieux, il sera réparé dans 15 jours, voire 3 semaines. On verra. Mais bon, c'est horrible, hein. Je sais pas vous, hein, mais moi je trouve ça, quand on a essayé le lave-vaisselle, tant qu'on n'a pas de lave-vaisselle, on ne se rend pas compte en fait de l'utilité, je pense. Mais une fois qu'on en a un et qu'il tombe en panne, c'est dur de vivre sans. Alors, ça facilite drôlement la vie, je trouve. Quoi de prévu aujourd'hui? Donc, à part cette venue du réparateur, bah, rien du tout. On n'a rien d'autre de prévu. Au niveau du menu, ce midi, c'est une salade de haricots, pois chiches et thon qu'on va faire dans pas longtemps. Parce que j'aimerais qu'elle soit prête avant qu'il arrive. Le réparateur. Ensuite, un yaourt en dessert. Et ce soir, c'est un dalle de lentilles corail avec du riz complet. Et en dessert, c'est un gâteau chocolat. Et je ne le dis pas parce qu'il y a des petites oreilles qui traînent. Et si je dis ce qu'il y a dedans, on risque de pas vouloir le manger. Voilà. Donc, ça sera surprise. C'est une recette qu'une d'entre vous m'a parlé. J'ai un petit peu changé la recette pour qu'elle rentre dans le programme et qu'elle soit un petit peu plus légère, on va dire, au niveau du sucre. Mais voilà, donc je vous partagerai en espérant que, parce que pour nous, moi aussi, c'est une première. Alors, maintenant, on va finir ces routines, faire en sorte que tout soit nickel pour la venue du réparateur. Mais bon, j'avais déjà un, fait pas mal, et en même temps, ma maison, c'est jamais le Beans, hein. Et puis ben on va attendre et on va faire sa salade. Voilà le programme de ce matin. Allez go, on y va. J'ai déjà fait mon sport, hein, comme vous pouvez vous en douter. J'étais réveillée de bonne heure ce matin, donc du coup j'ai travaillé un petit peu sur la chaîne en attendant que... Et le téléphone encore une fois. Tu peux regarder Kim? Kim a tellement le son sur ses oreilles qu'elle n'entend même pas le téléphone sonner. Alors je ne sais pas si les vôtres font ça, hein, mais les miens, ils sont tout le temps avec leurs écouteurs dans les oreilles et du coup il y a des moments où vous leur parlez et puis arrive un moment où vous leur dites quelque chose et vous répétez Kimberley, 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 et du coup vous, là vous, Kimberley, et puis pourquoi tu cries? Voilà, hein? Alors que ça fait au moins 10 fois que vous dites son nom sans crier, hein. Mais voilà, là du coup comme elle l'entend et qu'elle entend qu'on crie, c'est pourquoi tu cries? Ah là là, ces ados. Mais en même temps, je préfère qu'ils ont leurs écouteurs plutôt que d'avoir 40 000 sons. Parce qu'à deux moments, c'est ça en fait, hein. Angie, elle écoute une de ses vidéos, sa musique. Kimberley écoute ses vidéos, sa musique. Stacy, c'est la même chose. Et moi, il y a deux moments aussi, je regarde une vidéo ou un truc sur YouTube ou voilà. Et du coup, bah, ça fait 4 sons différents dans la maison. Et il suffit que Chérie est là et qu'il regarde en plus la télé. Alors je vous dis pas, on a un brouhaha pas possible. Mais c'est bien, c'est Chérie. J'ai demandé à Stacy de me préparer la lessive, donc elle me montre au fur et à mesure ce qu'elle met dans la machine pour que je valide ou pas. Bref, allez, on y va, on va finir ses routines.
Et puis après on attaque cette salade de haricots et pois chiches et thon pour ce midi. En plus, sans mal de rien, j'avais vu juste parce que c'est vraiment le temps à manger une petite salade, il fait très beau. Moi j'ai réentré, le réparateur est passé. Bonne nouvelle, en fait il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, la vaisselle est réparée. Alors c'était juste un petit morceau de verre, de rien du tout, qui était dans la pompe, c'est ça chérie? Ouais. Donc du coup vraiment pas grand chose, mais vraiment tout petit le morceau de verre, hein. La taille de mon ongle quoi en fait. Hein. Mauvaise nouvelle, ça rentre pas dans la garantie, donc on a dû payer 69 euros. On est content, hein? Parce qu'en fait, comme c'est une erreur de notre part, puisque c'est un morceau de verre, donc c'est pas quelque chose qui est cassé. Qui se passe dedans et le pire, c'est que hier, chérie m'a dit, mais je vais le démonter, c'est bon. Et c'est moi qui ai pas voulu en fait, parce que je lui ai dit, non, mais si tu démontes, ça va plus être pris dans. La garantie va sauter, donc je veux pas que tu le démontes. Et en fait, compte, ça tombe, il aurait trouvé et on aurait économisé 69 euros. Surtout qu'en plus, le monsieur en fait nous a dit que. Quand c'était bien fait, que c'était ouvert, il faisait pas sauter la réparation. Il suffisait de lui dire aussi. Ouais. Donc je pense que la prochaine fois, voilà, chérie mettra les mains. Bon, en un sens, maintenant, ça y est, il est réparé. J'ai mon lave-vaisselle ce soir, donc je suis contente. Mais voilà, 69 euros. Alors qu'on vient de faire une grosse facture pour la voiture, qu'on a le week-end, ce week-end, voilà. Ça fait mal au... Ça fait mal au, voilà, mais bon. Hein? Il y a des mois comme ça où l'argent elle est à peine rentrée et pouf, elle disparaît. Mais même pas en plus pour vous faire du bien quoi, vous voyez. Voilà, c'est juste parce que vous êtes dans l'obligation. Voilà. 69 euros. Mais voilà, 69 euros de déplacement alors qu'il est resté quoi, une demi-heure. Je sais pas où je suis rentrée. Ouais, c'est ça. Ouais, ça faisait... Bah ouais, on est arrivé. Et en plus on a eu droit à un petit blabla comme quoi que voilà il fallait que j'utilise parce qu'en fait j'avais oublié de remettre du sel de rinçage dans mon lave-vaisselle donc alors je lui dis oh, mais de toute façon j'utilise des spastilles avec les trois dedans. Il me dit non non mais par chez nous voilà, il faut mettre de la totale, il faut tout mettre parce qu'on a de l'eau très calcaire et tout, mais c'est vrai que d'habitude je mets tout quoi en fait, mais là. Voilà, à moins si vous avez un adoucisseur d'eau. Ouais, c'est comme eux qui vient de dire que mon robinet est bouché. Et... Ouais. Parce qu'en fait vous avez les palmes de, à l'intérieur de votre lave-vaisselle en fait, vous voyez ce qui tourne là, et en fait il a été regardé s'il n'y avait rien qui était bouché, et malheureusement il y en avait un petit qui était bouché, mais c'est des, ça se démonte pas ce truc, donc quand vous devez le nettoyer vous devez aller vraiment avec une bah, là c'est ce qu'on vient de faire quoi en fait, avec une aiguille et on nettoyait parce qu'autrement bah voilà, bref, donc ça y est il est réparé. C'est la bonne nouvelle. Là, je vais donner à manger à chéri parce qu'il doit avoir faim. Puis moi, je vais aller travailler du coup un petit peu sur la chaîne. Et puis après, je vais attaquer le gâteau pour ce soir. Bon, il est 3h presque. Ouais, non, c'est ça. Il est 3h, 3h04. Je vais attaquer le gâteau pour ce soir. Donc, c'est un gâteau au chocolat et à la courgette. En fait, c'est un gâteau sans matière grasse. Dans laquelle on rajoute, en fait on remplace le beurre ou la matière grasse qu'on pourrait mettre par une courgette qu'on a râpée. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai râpé très finement une pour éviter d'avoir des gros morceaux, vous voyez, mais bon à mon avis ça va fondre dans la pâte. Donc avec ma râpe à carottes là en fait, j'ai râpé une courgette à peu près 200 grammes. Donc j'ai 200 grammes de courgette râpée. Là j'ai 140 grammes de chocolat que je vais faire fondre. Alors c'est une recette que une de vous m'avait proposée, que j'ai un petit peu rectifiée pour voilà, qu'elle rentre au niveau de mes points et pour alléger un petit peu. Alors on verra le résultat. Dans sa recette il y avait 200 grammes de chocolat. Moi je vais mettre 140 et je vais rajouter une cuillère à soupe, de une ou deux cuillères à soupe de cacao maigre dedans, sans sucre en fait. Voilà. Et le sucre, je vais remplacer par le sucre de bouleau, donc le xylitol. Allez, je mets donc 140 g de chocolat noir à fondre au micro. Je vais battre du coup le sucre, donc le sucre de bouleau avec les 3 œufs. Alors, moi j'ai mis 60 g de sucre, mais faut pas oublier qu'il prend 30% de plus en pouvoir sucrant dans la recette. Donc du coup, dans sa recette à elle, je pense qu'il y avait 100 g de sucre. Hop là, voilà. Donc du coup, je vais y battre. Donc là, j'ai mes 60 grammes et je vais y battre, le battre avec mes 3 œufs. Ouf, boum.
Donc une fois que les œufs sont battus, je vais ajouter une cuillère à soupe de... Donc je vous ai dit deux, mais non, c'est une cuillère à soupe de cacao non sucré. Hop. Et je vais mélanger pour l'incorporer dedans. Donc là, j'ajoute du coup les 200 g de courgettes râpées. Hop. C'est bizarre, hein, ça semble bizarre. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit aux enfants, parce que je me suis dit, si je leur dis qu'il y a de la courgette dedans, ils vont pas vouloir le manger. Ils vont trouver ça trop bizarre. Hop, donc on mélange. Donc là, je vais ajouter le chocolat fondu. Hop. Et on mélange. On ajoute ensuite 70 g de farine. Un demi-sachet, donc moi ça fait 2 cuillères à café de levure chimique et une pincée de sel. Et on mélange aussi. Voilà, une fois mélangé, alors je trouve qu'on obtient une belle pâte à gâteau. Donc on verra ce que ça donne une fois cuit. Regarde chérie. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il fait une drôle de tête. Mais tu non. peux pas. Qu'est-ce que t'as? Bah rien. Mais si, tu fais une drôle de tête. Il a quoi mon gâteau? Tu as goûté? Tu veux lécher la cuillère après? Allez. Je dis vraiment ce que non, je pense. Non, je sais ce que t'es en train de dire là. Hein, quoi? Qu'on dirait du caca. Non. Du vomi. Tu vois même pas, tu vois. Du vomi. Non. Quoi? J'ai déjà marché dedans mais j'ai jamais goûté. Donc c'est bien du caca, c'est bien ce que je dis. Hein. Non mais... Allez, donc je mets dans un plat beurré. Alors moi c'est un petit plat de... Je pense qu'à chaque fois je dois le remesurer. Mais je pense que c'est 26 qu'il fait. C'est un disque à charnière. J'avais mis... Chérie qui fait du bruit, hein, tout sang là. Hein. Et du coup j'avais mis mon four en préchauffage à 180. Et on va l'enfourner pour... à peu près... Combien? 25 minutes environ. Donc on verra ce que ça donne. Alors au niveau des points, en divisant par 12, pour faire 12 parts, ça nous fait 4 points pour un gâteau au chocolat. Pas mal, hein? Maintenant, il faut voir s'il est bon. Hein? Allez, hop! J'enfourne. Alors, ce soir, pour aller avec le dalle de lentilles, je vais faire du riz, mais j'avais envie de faire des nems au fromage aussi. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et en plus ça sera l'occasion de vous partager la recette. Alors je vous préviens, c'est pas du tout wet wet hein, parce que hein, on va dire qu'il y a beaucoup de points. Mais bon, en même temps le dalle aux lentilles, je pense qu'il n'y aura pas énormément de points dedans. Il va falloir que je calcule ça. Mais tout ce qui est lentilles et tout, c'est zéro et tout. Donc à part le lait de coco, enfin les choses comme ça qu'on va rajouter dedans, c'est le seul truc qui aura vraiment des points dedans. Donc on verra ça. Après on n'est pas obligé d'en manger un entier aussi, on peut manger que la moitié. Bref. Donc dans le bol de mon robot, je vais faire 5 nanes, enfin je pense. Je vais voir avec les quantités que j'ai, ce que j'obtiens. En fait, j'ai divisé ma recette par 2. La recette que je fais d'habitude, je l'ai divisée par 2. Donc là, dans le bol de mon robot, j'ai mis 250 g de farine blanche, de la normale. J'ai mis une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de levure de boulanger déshydratée. Voilà. Alors, il y a les deux levures hein, dedans. Il y a la levure chimique et la levure déshydratée. Et là, on va rajouter du coup les liquides. Donc, une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Hop. Ensuite, 90 ml d'eau. Et du coup, la moitié d'un yaourt, donc 60 g de yaourt. Hop là. Et ensuite, on va pétrir ça jusqu'à avoir une pâte bien souple. Hop, voilà. Ouais, une fois que c'est fini de pétrir, donc un bon 10 minutes, on obtient une belle pâte bien souple. Et on va laisser du coup cette pâte levée à température ambiante pour qu'elle double de volume. J'ai sorti le gâteau aussi du four. Il y a Angel qui descend pour goûter parce qu'il a faim. Il me dit maman, ça sent trop bon.
Je lui dis, ah, on me dit c'est pour ce soir? Je dis oui. Donc du coup, voilà, il sait pas l'ingrédient secret qu'il y a dedans. Hein, chérie? C'est de la carotte. Non, c'est pas de la carotte. Donc voilà ce que ça donne. En tout cas, il a l'air d'être super moelleux. Regarde, touche comme ça. Enfonce pas ton doigt dedans comme un maboule. Hein. Vas-y, fais comme ça. Tu sens? Je suis en train de j'appuie. Quoi? Ça fait exprès, j'appuie. Bah ouais, t'as appuyé fort. Et ça sent bon. Hein? Allez, on verra du coup. On verra s'il est bon. Hein? Il sera bon. Il sera bon, d'accord. J'ai démoulé le gâteau, j'ai fait un petit setup là pour pouvoir faire ma photo. Et du coup, comme il y a une part, parce que moi je vais le diviser du coup en 12 et qu'il me faut 10 parts, j'ai des parts en plus. Donc je vais faire goûter en live à Stacy. Vas-y, en premier. Alors déjà, la texture, elle a l'air d'être trop bonne. Ah, moi je sais ce qu'il y a dedans. Vas-y. Ouais, toi tu sais ce qu'il y a dedans. Alors Stacy, elle aime pas trop le chocolat fort. Non, c'est même pas. C'est alors, comme si c'était un gâteau comme d'habitude, sauf que là, le chocolat, il est un peu moins fort. Et c'est bon? Ouais. Ouais. T'appelles Angel pour qu'il goûte? Ouais. Bon, Angel, maintenant. Allez, vas-y. Tu dois deviner ce qu'il y a dedans. Alors, il est comment? Il est bon. Il est bon? Je sais pas. C'est de la gourgette. Bah, je l'ai dit. Et c'est bon ou c'est pas bon? Bah, ça donne un goût amer. Ça donne un goût amer? Non, c'est le cacao qui donne un goût amer, c'est le chocolat. C'est bon, moi je le mange. Chérie, maintenant? Chérie, il va pas par. Il prend pas la cuillère, lui. Hein. C'est bon. Merci. Quoi? Mais vas-y, prends-le. Enfin, je vais juste prendre un tout petit bout pour goûter. Alors, tu le sens ou pas? Non. Il est plus moelleux. Il est plus moelleux. Et au niveau du sucre et tout? Ouais, il est bon. Ouais, c'est bon. Franchement, le sucre de bouleau, moi, je vois vraiment aucune différence par rapport... Hein, chérie? Il est bon, hein, ce sucre? Et là, la texture et tout, elle est top, quoi, en fait, du gâteau. C'est vrai qu'il est bien moelleux et tout, ouais. Il est pas sec comme il peut être, pardon. Ouais, je crois que la gourgette, elle ramène beaucoup d'humidité, en fait, du coup, au gâteau. Et franchement, ouais, c'est bon. Validé. Alors, je pense même que on doit ramener des gâteaux pour ce week-end. Je pense même que je vais en ramener un, du coup. Je cherchais des gâteaux que moi, je pouvais manger. Alors, j'ai dit à chérie, parce qu'en fait, l'année dernière, j'avais ramené un gâteau, enfin, il y a 2 ans. J'avais ramené un gâteau aussi pour moi, avec moins de sucre et tout. Mais j'avais eu la bonne idée de faire un gâteau au chocolat, une tarte aux fraises. Et j'avais fait version allégée aussi, parce que oui, il y a 2 ans, je faisais aussi attention à ma ligne. Et du coup, bah, tout le monde avait pris la tarte aux fraises. Et moi, je m'étais retrouvée sans gâteau plus ou moins allégé. Alors là, je dis à chérie, je vais prendre le gâteau. Et là, par contre, je vais mettre une affiche, je vais écrire en grand dessus. Attention, ce gâteau contient de la gourgette. Juste pour dégoûter les petits, vous voyez, qui veulent pas en manger. Mais bon, ça risque d'être... une curiosité pour les plus grands et là ils risquent d'en manger eux. Mais franchement ouais, il est bon. On vous le conseille. Ouais. Pour 4 points la part, donc ça va encore quoi en fait. Ça fait une petite gourmandise sans trop... Parce que c'est vrai que le chocolat, souvent les gâteaux au chocolat, ça prend vite et c'est tout de suite beaucoup plus riche. Là du coup, voilà, ça permet une petite touche quand on a envie de chocolat là. Vous voyez, ben, ça rentre dans les points quoi en fait. Dans une journée, voilà, plus ou moins équilibrée. Allez. Et le sucre, le xylitol, franchement, nous, je pense qu'on va l'adopter. Surtout pour les pâtisseries comme ça, qui sont en cuisson, quoi, en fait. Voilà. Bah, après, c'est vrai que vu le prix du sucre, voilà, ça peut refroidir un petit peu. Mais pour la pâtisserie du week-end, où je fais vraiment, vous voyez, le gâteau, après utiliser un autre sucre pour la semaine, pour les petits gâteaux, ou les mousses, ou les... vous voyez, pas pour les cuissons, quoi, en fait. Allez, je vais ranger le gâteau avant qu'il mange tout. Et puis nettoyer un petit coup.
Et puis ben du coup, je vais travailler un petit peu sur la chaîne. Voilà, en attendant que mes nanes gonflent, ça devient bon. Et que je puisse les faire. J'ai ma pâte qui a bien doublé de volume. Elle est toute souple, toute gonflée. Et je vais le... Alors il fait grand soleil mais j'ai froid. Je vais la diviser en parts. Et puis je vous montre la technique pour pouvoir le farcir avec du fromage. Donc c'est avec de la vache qui rit tout simplement. Donc là je vais me prendre 3 vaches qui rit et je vais mettre la moitié d'une vache qui rit par nane. Donc on y va. Donc j'ai divisé mes pâtes par 6. Donc ça fait 70 grammes par boule de pâte. Alors je mets un tout petit peu de farine, alors léger. Hop. Et on va venir l'étaler, mais alors très finement en longueur. Parce qu'en fait, après, on va étaler la vache qui rit, donc la moitié d'une vache qui rit dessus. Et on va le refermer. Alors ça s'étale assez facilement. Hein. C'est une pâte quand même assez souple, qui est assez facile à travailler. Ah voilà, on l'étale, mais comme je vous ai dit, bien, bien fin et en longueur. Hop. Donc une fois qu'on a quelque chose de fin, on met du coup la moitié d'une vache qui rit et on vient l'étaler, mais pas sur les bords. On l'étale juste sur le centre de la pâte. Donc on en met bien partout, mais pas sur les bords, parce que c'est là où on va ressouder la pâte un peu comme un chausson en fait. Bon après il y a une autre technique où on fait 2 boules de pâte et on vient mettre l'une au-dessus de l'autre, enfin 2 boules de 2 disques de pâte. On étale la vache qui rit sur une et on recouvre avec le deuxième disque. Mais bon ça va aussi bien comme ça je trouve. Alors moi j'ai fait des petits nanes hein, exprès pour pouvoir... pour que ça soit plus léger et que ça fasse moins de points. Après vous pouvez diviser la pâte par moins, par 3 mettons, et avoir 3 nanes, 3 gros nanes. Alors une fois après on recouvre, donc on remet comme un chausson en fait, et on vient bien appuyer, bien souder la pâte du coup tout autour. Voilà. Et... notre nane est formée. Donc bon, ils sont pas parfaits, hein, mais c'est du fait maison. Hein. Voilà. Donc du coup, ben, je les mets sur le côté. Une fois qu'ils sont faits, et je fais les autres. Ouais, une fois qu'ils sont tous formés, ben, on va pouvoir les cuire. Donc du coup, à sec comme ça dans une poêle. Alors moi, c'est cette optique-là que je vais choisir. Pour une question, voilà, pour que ça soit plus sain et plus léger. Mais après, si vous voulez, vous pouvez mettre un morceau de beurre dans la poêle et les faire, entre guillemets, frire dedans. Enfin, frire. Cuire dans le beurre, quoi, en fait. Moi, ce que je vais préférer faire, c'est les faire cuire à sec. Et s'il faut, après, je rajouterai un tout petit peu de beurre ou de la margarine. Juste un tout petit peu. Et napper un tout petit peu comme ça sur le dessus, quoi, en fait. Sur toute, je vais peut-être compter une cuillère à café. De margarine pour tous les nanes. Voilà. Je préfère, voilà, comme je vous ai dit, c'est plus une question de pour que ça soit plus léger. Hop. Donc on les fait cuire d'un côté. Alors là, je pense que je vais les faire cuire deux par deux. Et une fois qu'ils sont cuits d'un côté, on les retourne et on fait cuire de l'autre côté. Et dès qu'ils sont cuits, on met un tout petit peu. Une petite pointe de margarine dessus ou de beurre. Alors moi je vais utiliser une toute petite cuillère comme ça, c'est les cuillères à verrine là que nous on se sert pour touiller le café. Voilà, c'est des grandes cuillères qu'on sert de touillette. Donc on fait cuire 4-5 minutes d'un côté, donc vous voyez ça commence à gonfler et hop on les retourne et on les fait cuire de l'autre côté. Et voilà. Donc là, quand je les ai retournés une première fois, ce que je fais, c'est que je mets une toute petite... Alors comme je vous ai dit, voilà, c'est vraiment une petite cuillère. Donc je mets vraiment une toute petite cuillère à café dessus. Et en fait, du coup, ça fait fondre, la chaleur fait fondre le... alors c'est même pas une cuillère à café, hein, c'est une cuillère, je sais pas... à thé, enfin ça fait la pointe d'un couteau quoi en fait, voilà. Et en fait ça fond directement.
Et comme ça, ça m'évite de devoir en rajouter trop. Voilà. En tout, on va dire que j'aurais utilisé une cuillère à café entière. Donc, hop. Une fois qu'ils sont bien dorés, je les débarrasse et je les mets sur, sur un plateau. Je les ferai réchauffer sûrement un tout petit peu tout à l'heure. Je les mets sur une plaque. Voilà ce que ça donne. Donc, je les ferai réchauffer sûrement un tout petit peu tout à l'heure parce que c'est quand même meilleur chaud, les nanes. Voilà, donc ils sont tous prêts. Je les ai remis dans la poêle. Je les ferai réchauffer sûrement dans la poêle tout à l'heure. Alors, par pain, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas vraiment... voilà, c'est 6 points. Voilà, je pense que c'est la vache qui rit. Parce que la vache qui rit, semblant de rien, c'est traite, en fait. C'est du fromage de l'emmental fondu. Et je pense qu'ils doivent mettre beaucoup de fromage pour avoir un petit triangle de vache qui rit. Donc oui, il y a la vache qui rit. Et après, je vois pas ce qui apporte plus de points quand, par rapport à un muffin ou quoi. Mais bon, moi, je vais peut-être manger, mais la moitié. Comme ça, ça fait 3 points. Donc, ça peut rentrer dans un repas plus ou moins équilibré. Voilà. Mais les enfants adorent. Hein. Les nanes, même chérie. Il y a une marchande de tapis. Oh, il y a une marchande de tapis. Une marchande de lavettes. Ah non, j'ai pas fait de beignets, j'ai fait des nanes. Alors, je vais commencer... la cuisson du dalle. Alors je vais vous montrer les ingrédients qu'on a besoin. Donc là j'ai deux oignons que chérie m'a gentiment émincé. L'équivalent de 3 gousses d'ail. L'équivalent de à peu près 2 cm de gingembre. Donc là moi il est surgelé. Une feuille de laurier. 150 ml de lait de coco. Alors moi c'est le light que je prends pour qu'il y ait moins de points. Du sel. Une cuillère à café de margarine, 55%. Là j'ai 300 g de lentilles corail, une boîte de concassé de tomates, une cuillère à soupe de concentré de tomates, et là j'ai toutes les épices qu'on va mettre du coup dans ce dalle. Donc il y a une cuillère à café de curry, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de coriandre, une demi cuillère à café de cardamome moulu et un huitième de piment en flocon. Alors moi j'ai mis un huitième parce que c'est ce que chérie comme d'habitude et les enfants supportent, mais si vous aimez ça plus pimenté vous pouvez y aller. Donc je vais commencer par rincer mes lentilles et les faire cuire 15 minutes dans de l'eau pour faire une pré-cuisson en fait. Enfin elles seront cuites là, au bout de 15 minutes elles sont cuites. En attendant que mes lentilles cuisent, je vais faire dorer mes oignons. Donc là, j'ai mis ma cuillère à café de margarine. J'ajoute l'oignon et je le fais dorer. Une fois qu'il sera doré, j'ajouterai le gingembre et l'ail. Donc une fois que l'oignon est doré, on ajoute l'ail, hop, le gingembre. Merci chérie. On va ajouter... du coup là maintenant les le concassé de tomates, le concentré de tomates, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hop. Les épices, la feuille de laurier. Et on va ajouter 6 cuillères à soupe d'eau. Deux, trois, quatre, cinq et six. Et on va laisser cuire un petit peu cette pâte aromatisée, cette pâte de curry, on va dire, maison, pendant quelques minutes. Donc une fois qu'on a tout mélangé, on fait cuire pendant 5 minutes et ensuite on va ajouter le lait de coco. Et là-dedans, après on rajoutera du coup nos lentilles corail qui seront cuites. Là en attendant, ce que j'ai été en train de me faire, comme la semaine dernière avec le riz que j'avais mélangé, du riz de chou-fleur. Donc là c'est ce que j'ai fait aussi. Donc j'ai mixé, juste mixé par à coup, du chou-fleur cru. Voilà, et ça nous fait comme une texture un peu de riz. Et moi je vais mélanger ça. Je vais le faire cuire un tout petit peu à la poêle et je vais mélanger ça avec du riz basmati. Comme ça, en fait, je vais mettre un petit peu moins de riz basmati. Je vais me mettre que 50 g de riz basmati et 50 g de riz de chou-fleur. Voilà. Je vais baisser le feu. Donc une fois que la sauce, elle a 5 minutes, qu'elle a épaissi un petit peu comme ça, on ajoute
le lait de coco, donc les 150 de lait de coco, 150 ml de lait de coco, du sel, et on refait cuire comme ça à feu doux pendant 5 minutes et après on pourra rajouter du coup les lentilles. Je vais cuire aussi mon riz de chou-fleur, donc je l'ai juste mis dans 2-3 cuillères à soupe d'eau pour pas rajouter de matière grasse. Et voilà, je le fais cuire 5 minutes jusqu'à ce que le riz soit cuit quoi, en fait. Bon, et ça reste un tout petit peu croquant, il faut pas que ça soit complètement de la purée, parce qu'autrement si vous le faites trop cuire, justement ça va devenir de la purée. Donc, au bout de 5 minutes, on ajoute les lentilles corail qu'on a égouttées et on mélange et on continue de faire cuire ça une dizaine de minutes. Voilà. Voilà, du coup on va passer à table. Alors là j'ai le curry, enfin le curry, le dal à contre-jour, voilà, qui est déjà bien entamé. Donc je l'ai servi pour moi avec du riz, donc c'est du riz basmati avec du riz de chou-fleur. Donc j'ai 50 g de riz de chou-fleur, un petit quartier de citron vert, donc le dal. Le dal, je ne vous ai pas dit, c'est 2 points pour, par part. J'ai compté 5 parts, mais 5 belles parts. Et le blanc que vous voyez ici, c'est parce que c'est ma crème de coco, que j'ai mis une cuillère à café de crème de coco. Celle que j'ai achetée, c'est la Saint-Hubert, je vais vous montrer, qui a commencé à fondre. Et avec ça, je vais manger la moitié d'un naan. Alors, vous voyez là, à l'intérieur, donc il y a la vache qui rit fondue. Et je les ai juste fait réchauffer un petit peu sur la poêle. Voilà. Donc du coup, la crème, je vais vous montrer laquelle que c'est. Alors c'est 1 point pour la crème. Donc du coup là, j'ai mon assiette qui fait 2 points pour le riz, 2 points pour le dal et 1 point pour la crème. Bon après c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est parce que moi, comme ce midi on a mangé une salade, il n'y avait pas beaucoup de points en fait de la salade, il y avait 0 en fait. C'est juste la vinaigrette qui avait apporté du point. Donc j'ai vraiment pas mangé pour beaucoup de points, donc j'avais des points en rab. Donc la crème, c'est celle-ci. Donc c'est la Saint-Hubert végétale, c'est la à la coco. Alors elle a vraiment un goût de coco, elle est très bonne. Hey, il est 8h30 et on a fini. Et voilà, chérie est en train de s'installer dans le fauteuil, il dit oh, le meilleur moment de la soirée. Hein, 8h30, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, hein chérie. Manger, cuisine rangée, tout est propre. Nickel. Trop bien, on va pouvoir profiter de sa soirée. Donc là du coup, j'ai même commencé à monter ce vlog d'aujourd'hui, donc il me reste plus grand chose à faire. Je vais pouvoir aller prendre ma douche, finir de le monter tranquillement, m'avancer un maximum pour demain, parce que demain on a une grosse journée qui nous attend et on doit tout préparer pour le week-end. Il faut que je fasse, je pense que je vais faire 2 gâteaux, donc je pense que je vais refaire le gâteau au chocolat, parce que franchement il est très très bon. Et on dirait vraiment pas qu'il y a de la courgette dedans, hein. C'est bluffant. Et puis je pense que je vais refaire le gâteau aux pommes que j'ai fait il y a 15 jours. Voilà, je vais rester sur des valeurs sûres. En plus celui-là, il n'y a pas beaucoup de points dans le gâteau aux pommes, donc c'est bien. Parce que là, on va manger du gâteau 2 fois. Donc, hein. Voilà. Et puis il faut que je prépare tôt pour le petit déjeuner et tout du lendemain et tout, et que je vois avec toute ma clique, parce que du coup on est 7 à embarquer tous ensemble, enfin puisque les chéris des enfants viennent aussi. Donc et puis il faut pas que j'oublie les matelas, enfin pas les matelas mais les trucs pour mettre sur les matelas, les housses de matelas, enfin voilà tout ça. Tout ça en une personne parce que c'est un dortoir, donc c'est des lits superposés. Donc voilà, faut rien oublier. Parce qu'en plus c'est quand même à 2h30 de route, donc un peu embêtant de faire demi-tour. Hein. Alors comme je vous ai dit, lundi, vu le week-end et vu ce qu'il me reste à faire et tout, il n'y aura sûrement pas de vidéo. Sûrement pas du tout de vidéo, oui. Voilà. Et du coup, bah, on se revoit mardi pour le retour de course ensemble. Mais par contre, ce week-end, bah, je vous embarque avec nous pour nous filmer des petites brides de notre week-end et aussi pour nous faire des souvenirs aussi à nous, voilà, surtout pour ça aussi, parce que c'est vrai que c'est des moments en famille qu'on veut garder en souvenir, voilà. Alors je voulais revenir avec vous sur le gâteau. Je vous ai dit qu'il faisait 4 points. Il fait 4 points, mais attention parce que moi j'ai utilisé du sucre de bouleau et il y a beaucoup moins de points que dans un sucre normal, hein. Donc
je sais pas, soit vous mettez un sucre normal mais il faut rajouter les points, ou soit utiliser un sucre silicone de règle ou quoi, mais après ça risque peut-être de jouer sur la texture ou quoi, je sais pas, voilà, à vous de voir. Ou après voilà, investissez dans le sucre de bouleau. Mais franchement oui, là je vais refaire un test pour valider ce sucre, mais je vais faire un test sûrement de tarte aux fruits pour sûrement la semaine prochaine, ça sera sûrement le dessert de la semaine prochaine, pour le tester en pâte à tarte en fait, pour voir au niveau du... C'est chéri, c'est rien. Pour voir au niveau du croustillant, pour voir si j'arrive à retrouver ce croustillant, parce que je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait une tarte au tout début de mon rééquilibrage, donc il y a un mois, avec la tarte aux poires. En fait, je trouvais que la pâte était bonne, hein, mais comme j'avais utilisé du sucre lambda, enfin du sucre canderelle, ça avait apporté beaucoup d'humidité à la pâte, donc là, je voudrais retester avec ce sucre-là, pour voir, pour... finir ce test et valider ou pas du coup ce sucre. Bon, sur ce, je vais aller prendre ma douche, monter ce vlog, travailler sur le petit projet que je suis en train de faire, enfin finaliser ce petit projet, enfin c'est vraiment un tout petit truc, hein, voilà, si ça tombe vous serez à moitié étonnés. Et puis on va aller profiter, on va aller se coucher tôt, voilà, profiter d'un peu de repos avant un week-end bien festif. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis donc à mardi pour le retour de course. Et à mercredi, enfin le week-end, samedi, dimanche, que vous voyez mercredi, pour un nouveau vlog. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye, bisous.